Bonsoir tout le monde, on se retrouve avec un nouveau Shiny. Nous sommes le mardi 17 septembre 2013. Il est actuellement 22h47. Il y a environ une demi-heure, je viens de trouver un nouveau Shiny. Et c'est Latios, qui est vraiment magnifique. J'ai du mal encore à réaliser que je viens de le trouver. Alors je suis sur ma version Noir 2. Une version qui m'a donné 3 shiny très rapidement. On a commencé avec le starter qui était Moustillon, que j'ai eu en 1000 quelques resets, je sais plus le chiffre exact. J'ai ensuite trouvé en 100 et quelques rencontres Magby, et un peu plus de 100 rencontres aussi Galekid shiny. Donc 3 shiny trouvés en moins de, je dirais, 3000 rencontres. Voilà, parce que bon, j'ai fait l'aventure quand même, genre j'ai rencontré des Pokémon. Et donc là, je m'attendais à faire un chiffre même déjà au-dessus des 8192 pour la Latios. Et c'est le cas, puisque je suis à 15029, c'est le 15029e. Le 29e de la soirée, tout simplement. C'est super génial, je suis vraiment très contente, c'est magnifique. Alors, j'ai décidé de chasser la Latios parce que c'est un légendaire que j'adore. Le duo qu'il forme avec la Latios, je trouve qu'il est vraiment très très cool. Voilà, c'est un peu un frère et une sœur, ces Pokémon là, je trouve ça plutôt cool. Donc j'ai pas encore la Latios, je sais pas si je vais le faire encore, mais en tout cas la Latios, Latios est trouvé, donc c'est vraiment cool. Je sais pas si on voit trop bien là sa couleur. J'ai pas l'impression en fait. Je vais essayer de vous montrer ça. Ouais. C'est pas vraiment net quand même. Désolé pour la qualité. Donc vous voyez en tête d'équipe mon autre enfer Shiny. Qui était le Pokémon qui a chassé entre guillemets. Donc c'est cool. Je suis contente d'avoir un Shiny face au nôtre. Je trouve ça assez intéressant sur les. Sur les resets, de pouvoir mettre un shiny en première position. Donc ben je vais me servir de mon petit X-Wing pour capturer ce Latios shiny. Donc je vais commencer la capture en le faisant provoque pour éviter qu'il se booste, tout simplement. Voilà, donc c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire? J'avais dit que je lui ferais un petit croc fatal pour baisser ses PV sans endommager. Faire un psycho, ça va faire mal sur mon petit X-Wing. Alors, je vais refaire un croc fatal. X-Wing va me servir juste à ça, et de toute façon s'il le tue, derrière j'ai caché le mouvement. Voilà, c'est fait. Donc voilà mon petit caché de chez nous, Apex. Il devrait tenir un peu mieux le coup que notre enfer. Et je vais commencer à lui lancer des bols puisqu'il est dans le orange. Ah non, je crois que j'avais dit que je paralyserais. Alors est-ce que je peux? Oui. Voilà. Voilà, et au prochain tour, on va lancer des bols. Donc ça c'est bien, je vais utiliser la vibration. Alors, je ne sais pas trop pour les bols. Ouais, c'est vraiment pas facile parce que il y a des couleurs vraiment très spéciales. Il y a Febo qui pourrait correspondre, mais je trouve ça un peu dommage parce que j'ai déjà beaucoup de shiny à Febo, enfin beaucoup, j'en ai quand même quelques-uns. Limite, j'aimerais bien tenter l'honneur qui
Je pourrais même aller à Latias éventuellement plus tard. J'ai pas énormément de shiny, je crois, le nord. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Dur, dur de se décider là. Allez, je vais tenter le nord. Ça va. Pour l'instant, ils n'utilisent que des. Que des capacités qui n'affectent pas du tout pas chez eux. Donc c'est cool. Je sais pas, j'hésite le mort. Ouais, un petit psycho. Ouais, vous voyez, ça ne fait rien du tout. Donc c'est très bien. Bon, retourner au bol. Est-ce qu'il y en a une sur laquelle je craque? Franchement. Franchement, je ne sais pas. Ouais, j'ai envie de tenter la luxe là. C'est un Pokémon de prestige. Pourquoi pas? Il n'est pas décidé pour l'instant. Allez, quatrième psycho. Deuxième sur poche chez vous. Je tenterai un faible quand même de lancer une faible tout à l'heure. C'est très bien, il ne dépense pas de PC. Je vais tenter une faible, voir quelle tête elle a. Je sais pas. Je pense que je vais rester sur le nord, peut-être. Sushi vient de me rejoindre pour participer à la capture en réclamant des croquettes. Oh. Ouais, il est rentré. Ouf, génial. Trop cool. Bon, bah c'est bien, dans une overball, c'est génial. Pokémon Eon. Un Pokémon très intelligent. Il peut voler plus vite qu'un avion en réaction en repliant ses ailes. Ah ouais. Ça, c'est cool. Ouais, j'ai un petit surnom. Je sais pas s'il va être définitif ou pas, mais pour l'instant, je l'appelle comme ça. Et hop. Voilà, alors, est-ce que je l'ai sur moi? Ouais. Donc, on va partir sur les paris nature. Ouais, je vais vous montrer ma team de capture. Donc, j'étais avec X-Wing. On a Tempère. Voilà, j'étais avec Pachibizou, Apex, Palpatine, que Romain m'a échangé, enfin, m'a donné. Un trioxydre event que Romain m'a donné aussi. Pigeon. Petit pigeon voyageur de l'aventure qui m'a servi à voler. Et la pire chérie. Oh, elle est trop beau. Magnifique. Et donc, il est hardi de nature. C'était une nature neutre. Éparpillé des fous. Il éparpille des choses. Ah, il me semblait que c'était éparpille des choses et pas de lui. Trop drôle. Bah, il est vraiment très cool. Alors, je vais vous montrer son sprite de dos. Et voilà,
même pas. Le nord le voit plutôt quand même. Donc c'est cool. Allez, alors je vais vous montrer les étoiles de ce beau chenil. Alors, est-ce qu'on pourrait aller? Réfléchissons. Tiens, je vais aller là. Donc, je vais essayer d'aller dans le désert. Il y a des pokés sympas dans le désert. Je vais quand même sauvegarder parce que j'ai oublié de le faire. Enfin, j'ai pas pensé plutôt. Hop. Ah. Ah. En tout cas, ça fait du bien de trouver. Même si j'avais pas vraiment commencé à chasser ce soir, parce que c'est le 29e de la soirée, fin de la journée. En fait, j'étais en quintuple et donc là, c'est le. Comment dire, c'est ma recherche qui était la plus haute à ce jour, puisque sur les 5 recherches, j'avais dépassé le 1192. La plus haute étant Latios à 15 000 ce soir avant de commencer. Et la plus basse était à 8400, c'est les fonds marins, que je refais une seconde fois. Donc sur les 5 recherches, dépasser le 1192, c'est quand même. Je crois que c'est une des premières fois que ça m'arrive. Donc ça fait du bien. C'est de ce côté-là, je crois. Hop. J'aime bien rouler au milieu. Non, c'est pas ce côté-là, je me suis trompée. Il faut aller à la gauche, je pense. Ouais. Je suis perdue. Moi. Voilà. Ah, oh, je suis embourbée. Allez. Ouf, c'est dur. Allez, c'est parti. On raconterait une Pokémon. Allez, courant. Tac, tac, tac. Bim, direct à Marrakech. Go! Ah, non, mais je le fais. Je suis pas envie de bon chenil. C'est pas grave, vous aurez même pas chez les chenil. Apparaître. Oh, il y a un petit la fuite. C'est génial. Alors, il est où? Il est là. Vous savez quoi? On va le régénérer. Ce sera plus cool. On va lui mettre une petite guérison. Parce que le pauvre, j'ai quand même paralysé. Il y a eu des coups de croc 2 fois. Il y a eu popo, hein. Allez. Voilà. Oh, oh maman mia. Il est ouvert. J'ai l'impression que ça appelle une bleue, quoi. C'est trop bien. Vraiment trop cool en plus. Il est toujours tout bon. Je fais peur aux bêtes du désert. C'est la Tchachani. Un deuxième à cacher. Ah, il est vraiment très beau. Je suis vraiment très contente de l'avoir retrouvé. En ce moment, ça me fait vraiment du bien. J'ai besoin
de trouver un shiny. Parce que voilà, en ce moment, c'est un peu dur. Je vais pas vous raconter ma vie. Mais bon, voilà, ça me fait énormément de bien de trouver ce shiny. Voilà, je fais une petite dédicace à ma petite mamie. Je te dédicace ce petit shiny légendaire. Il est vraiment trop beau. Et il est tout mignon. Voilà. Il me fait penser à toi ce soir, donc je te fais une petite dédicace. C'est un très beau shiny. Ah, j'arrête pas à le battre de Marrakech. Ouais. Très bien. Bon ben voilà, c'est cool. Donc c'est mon 106e shiny, il succède à un débutant. Qui est vraiment très joli aussi. Oh, Krabby Quark. Bon ben voilà, je vais vous quitter sur notre dernière rencontre. Les étoiles de ce magnifique shiny qu'il est possible de chasser sur cette version noire 2 ou non que noire 2, j'allais dire au blanc 2, mais non, c'est ça, ça d'accord, sur blanc 2. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau shiny. Voilà, ça m'a fait énormément plaisir de trouver ce shiny, vraiment, ça me fait vraiment trop du bien. Et je vous dis à bientôt, bonne chance à vous dans vos recherches en tout cas. Et puis voilà, profitez de chasser, c'est trop cool. À bientôt, bonne chance à tous et à la prochaine. Ciao. We'll be right back.